On demande au Japon pour le quart de finale du titre mondial. Et là-bas, si ça marche, et ça marchera, je serai riche. On sera riche. Mais regarde-le. Elias est né pour combattre. Et ça, crois-moi, les officiels, ils l'ont vite compris. Dans 2 mois maxi, combat pour le titre. Alors? Alors? Bah alors ton combat, il a pas besoin de le faire. Je te préviens, ça va te déprimer. Espèce de fumier, c'était pas dans l'île, ça. De quoi tu parles? Merde! Tu joues serais de bord, c'est ça? Tu sais quoi, Elias, même avec un bras, il va te défoncer. Entrez, Plamise! Papa? Tu devrais arrêter de fumer. C'est pas ça qui va arranger ta santé. J'irai mieux quand toi et ton frère vous arrêterez de salir mon nom en servant de caution à Hicham Hammadi. Sur la foi des preuves qu'il a présentées aux membres de la Khamsa, tu lui as donné ta bénédiction. Et maintenant, tu reviens sur ta parole? Kubta Abou Safat, c'est un voleur et un menteur, voilà ce qu'il est! Peu avant la réunion de la Khamsa, il a fait pression sur Hanifa Hubeish pour obtenir son vote. De force. Je parie que tu tiens ça de la bouche de Silhaj, pas vrai? Si à l'heure du prêche, tu n'es pas à côté d'Hicham Hammadi comme tu l'as promis, tu pourras considérer que Aziz et moi, nous ne sommes plus tes fils. Mon colonel, je vous présente Sabri, de Bleuven Industries. Mes respects, mon colonel. Repos. Nous ne sommes plus entre militaires, mais juste des soldats d'honneur. C'est là, dans l'entrepôt 17. Le soir où vous attaquerez, je passerai en effectif réduit. Et pour la surveillance électronique? La porte est loquée comme un coffre-fort, avec un code qui change toutes les 24 heures. Je vous le fournirai la veille. Ce coffre, quel genre de blindage? Du genre qui nécessite des explosifs, du type Exolite. Vous pouvez nous en procurer? Bien sûr. Et ça a un prix. Combien? Voyez cet œil, mon colonel? Eh bien, lui, il vous voit pas. Ce que vos enfants en Angola, ils l'ont fait dans un autre pays. Alors, tout ce qui m'intéresse, mon seul prix, c'est votre réussite. Vous aurez l'exolite. Je suis désolé, je peux pas. Qu'est-ce qui se passe? Je te laisse. T'as au moins le temps de fumer une cigarette, non? J'en ai marre de tout ça. J'en ai marre. Tu devrais peut-être partir une semaine. Je sais pas, pour changer les idées. En ce moment, je suis tout seul dans le vidéoclub. C'est le boxon, il y a tout qui s'accumule. J'aurais bien besoin de quelqu'un pour m'aider. Faut que je fasse le point. Faut que j'y aille. Attends. Tiens. C'est l'adresse. Tu viens quand tu veux. Merci.
Rahman Rahim. Bismillah Rahman Rahim. Qu'est-ce qu'il faut? Il récite une prière. Je t'ai dit de te taire. C'est pas à toi que je parle. Tu veux me rendre un service? Que je la boucle? Tu crois que tu me fais peur? Non, vraiment, tu veux m'être utile? Ok. Ils m'ont torturé. Je crois qu'ils m'ont cassé une côte. T'as mal où? Sous le bras. Où? Non, oui. Non, non, à droite. Juste en dessous. Oui, là. Appuie. Appuie. Shit. Ah, je t'avais dit que je pouvais t'être utile. Ya imma hayat. Ce sera soit une vie qui réjouira mes amis, soit une mort qui mettra l'ennemi en rage. Oh, très bien.